Vivian, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vivian, c'est toi qui m'as donné la chose. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Vivian, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vivian, c'est toi qui m'as donné. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Viviano. Oh, Viviano. Oh, Viviano. Et mets le filtre, non. Les produits de teint parfait. Extrême chance, ça donne trop. Ça jage, je ne mets pas le filtre, je ne me maquille pas. Rouge à lèvres, c'est suffisant. Vivian, c'est toi qui m'as fait comme ça. Péri. Vivian, c'est toi. Et la Véronique Mars. Eh, Viviano. Eh, Viviano. Yamso, c'est toi qui m'as fait comme ça. Yamso, c'est toi qui m'as donné. Oh, Yamso. Oh, Yamso. Oh, Yamso. Oh, Yamso. Yamso, c'est toi qui m'as fait comme ça. Yamso, c'est toi. Yamso, c'est ton jour. Yamso, c'est toi qui m'as donné. Yamso. Oh, Yamso. Oh, Yamso. Oh, Yamso. 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 Attendez, on partage d'abord. Parce que pour ma Yamso, je suis assise là, ce soir, pour les déclarations d'amour envers ma Yamso. On va commencer l'histoire où ça avait commencé. Et on va arriver là où c'est aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Désolé, vous ne me voyez pas depuis parce que je suis très, très occupée en ce moment. Vous connaissez très bien. Je suis au four et au moulin en même temps. Quelqu'un demande la perruque. C'est Nati Chou, hein, non, chérie. Je partage ça tout le temps. Attendez, on va partager d'abord. Il fait chaud. Yamso, c'est toi qui m'as fait comme ça. Yamso, oh Yamso, oh, oh l'amour d'une sœur, l'amour d'une petite sœur, l'amour d'une petite sœur envers sa grande sœur, c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Attendez les cœurs, partagez seulement, partagez le live s'il vous plaît. Partagez, je suis là pour une heure. Il fallait mettre quand même l'énergie là. Pardon, partagez. Partagez et tout. Ok. Aujourd'hui, il y a deux anniversaires. L'anniversaire du jour, c'est l'anniversaire de ma Yamso. Ensuite, l'anniversaire du mariage du couple Amout. Attendez, je vais partager la team. Voilà. Je partage le live. Bonsoir les cœurs. Voilà. Partager, ça fait longtemps, hein. Ça fait longueur. Hein. Partager le live. Le petit français, bonsoir à toi. J'espère que vous allez bien, les Abel Chou, hein. Les Lolomania et les sympathisants, ainsi que les détracteurs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma Yamso, Tata Lolo. Donc, j'ai lancé ce live, hein, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire personnellement, parce que j'aurais pu faire une vidéo, mais dans mes marches là, j'ai dit non, je vais lancer le live. Comme ça, on va partager ensemble. Vous allez lui souhaiter joyeux anniversaire. Vous allez m'accompagner
à souhaiter joyeux anniversaire à Tata Lolo. S'il vous plaît. Écrivez joyeux anniversaire Tata Lolo. S'il vous plaît. John Bap. Ça avait beaucoup d'émotions hein, que je vais m'adresser à elle-même parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Lolo. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te donne encore et encore la sagesse et la force afin que tu suives ton chemin, qui est le chemin de la présentatrice web, parce que ça te va très bien. Ça te va vraiment bien. Aujourd'hui, je suis venue encore te souhaiter une fois de plus un joyeux anniversaire. Je n'avais jamais eu le temps et l'occasion de te le dire comme ça en face. Tu es une personne que j'ai toujours appréciée et que j'ai toujours respectée, malgré tout ce qu'il y a eu entre nous. J'aimerais même plus repenser à ça. Je veux qu'on regarde devant nous. On a fait des choses parce qu'on ne se connaissait pas. Pourquoi les gens sont comme ça? Vous m'appelez pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi vous attendez toujours quand je suis en live pour m'appeler? C'est quoi? Je vous dois quelque chose. Oh, wonderful. Il faut attendre. Comment je vais parler de ma yamseur? Moi, quand je vais parler d'elle comme ça, là, ça me fait... voilà quoi, j'ai envie de... Laissez-moi lui dire ce que je pense d'elle. Laissez-moi lui dire une fois de plus encore qu'elle est une personne formidable. Elle est une bonne personne. J'ai découvert en elle qu'elle n'était pas méchante. Parce que j'ai pris des années pour la traiter de tout. On s'est traité de tout parce qu'on ne se connaissait pas. Mais les réseaux sociaux que vous voyez, à travers les réseaux sociaux, nous renvoyons l'image qui n'est pas nous. Au fait, on a double personnalité. Et la personnalité qu'on renvoie le plus, c'est toujours montrer qu'on est des personnes désagréables, alors que ce n'est pas vrai, alors que ce n'est pas nous. Aujourd'hui, nous sommes nous. Nous sommes ce qu'on est et on assume qui on est aujourd'hui. On n'a plus besoin de s'insulter, de se clasher pour plaire aux gens. On a assez fait. On a assez perdu le temps. On s'est fait assez manipuler. On va parler comme ça. On s'est fait assez manipuler. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis heureuse de retrouver ma sœur. Je suis heureuse de retrouver ma yam sœur. Je suis fière aujourd'hui de lui dire que je t'aime. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et que je t'ai toujours porté dans mon cœur. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Que personne ne vienne te dire un jour le contraire. Reste qui tu es. On a assez acheté des problèmes des gens. Toi et moi. Et les autres. Mais aujourd'hui, je parle de toi et moi. On a acheté les problèmes de beaucoup de personnes sur ces réseaux sociaux. Certains qui sont reconnaissants et certains qui ne sont pas reconnaissants. En même temps, on ne nous avait pas envoyé le faire. Et nous avons pris l'initiative de ne plus acheter les problèmes des gens. Oui. Parce que si nous arrive un malheur, c'est nos familles qui pleurent. C'est nos fans. On a assez fait. Aujourd'hui, on a mis stop à ça. Ma yamse chérie, j'ai vu ton émission. J'ai pris le temps d'écouter l'émission l'autre jour. Je peux dire que c'est l'une des plus belles émissions que tu as fait. Je veux que tu continues dans cette lancée-là. Que personne... Tu as fait une émission sans Kongosa. Sans Kongosa. Et tout le monde est fier. Je viens te dire ça aujourd'hui. Tout le monde est fier. De toi, ça te va bien. Le travail, ça s'apprend au fur et à mesure. Je suis sûre que
Si tu continues comme ça, même Oprah là, même Oprah ne pourra pas parler devant toi. Tu seras invité partout avec cette télé, tu gagneras derrière. Ma soeur, ne te décourage pas. Que personne ne vienne te distraire. Parce que tout ce que les Nyama Nyama font là, c'est la discrétion. Nous sommes grand-mères. On a pu ce temps-là de se disputer avec des personnes qui ne servent à rien. Dans la vie, on marche avec des personnes qui avancent. Oui. Avec des personnes qui progressent. L'amitié aussi, même l'amour familial, c'est ça. Je suis fière d'être avec toi. Je suis fière de faire partie de ta vie aujourd'hui, que tu fasses partie de ma vie. Parce qu'on peut s'appeler, on se donne des conseils sur nos occupations. Oui. Parce que c'est qu'aujourd'hui, tu as choisi le chemin de la présentatrice TV. Je peux te donner l'idée, invite telle personne. J'ai choisi l'événementiel. Tu peux me dire, ne refuse pas telle personne, accepte la personne. Tu es une guest, ça fait longtemps, tu aimes bien ça. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire bien. Je veux que tu continues dans ta télé et que tu le fasses bien. Tu as vu comment moi, je vis. Et je le dis encore, Facebook c'est mon bureau. C'est être guest, voyager partout dans le monde, faire plaisir aux gens. Parce que quand on fait un travail, on doit le faire bien. Il n'y a pas de sous-métier, c'est une guest. Et vous voyez, quand je suis dans les soirées, je m'applique. Même quand je suis fatiguée, je souris. Parce que c'est ça. C'est le seul bonheur que je peux donner à mes fans. Et je le fais bien. Voilà pourquoi je suis toujours invitée. Parce que je le fais bien. Si je ne le faisais pas bien, c'est qu'on ne m'invite plus. Et les gens ne m'invitent. Les gens m'invitent parce que c'est donnant-donnant. Ma yam sœur, comme a dit la dernière fois, Mamie Yanga, même le jour que tu n'as pas d'invité, tu t'assois devant ta télé seule. Tu parles les choses de société. Oui. Et il y a le Congo ça partout. Quand on dit que il n'y avait pas le meilleur Congo ça partout, parce que même les chaînes de télé là, ils prennent ce qu'on parle sur Facebook pour aller parler dans leur télé. Tu dois écouter partout. Tu dois regarder, suivre les trucs sur YouTube. Ma yame sœur, je sais que ce n'est pas évident. Mais tous ces petits ratatouilles de Facebook là, qui prononcent nos noms, ce sont des gens qui ont décidé de faire de Facebook leur cimetière. Oui. Parce que je sais qu'avec ta télé, même si on est teint Facebook, tu vas toujours avancer. Oui. Tu es une personne que les gens aiment, que les gens apprécient, on me l'a dit. On veut te voir continuer comme ça avec ta yame sœur. Soyez ensemble. La paix, c'est une bonne chose. Oui. Et tu es l'exemple que la paix, c'est une bonne chose. Parce qu'à travers cette paix, j'ai réalisé beaucoup de choses. À travers cette paix. La paix, c'est pour soi-même, c'est vrai. Parce que nous sommes en paix, que je dors bien. Je me réveille, je n'ai pas besoin de courir sur Facebook, inventer les histoires. Réfléchir que je vais dire quoi pour la choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je n'ai pas Facebook, je m'en fiche. Je sais que j'ai gagné sur Facebook. J'ai gagné en faisant la paix avec toi. Oui. Quand je dors, je ne suis pas pressée de me réveiller pour venir faire un live. Au fait, pour être honnête, quand je regarde aujourd'hui les réseaux sociaux et ce que j'ai eu à faire avant et tout ce que les autres font, au fait, ça me dégoûte en fait. Je me mets à la place des personnes qui regardaient avant, qui nous détestaient. Je me mets à cette place-là. Je vois que ça sert à quoi en fait. Ça sert à quoi bavader comme ça là pour rien, parler comme ça, parler en longueur de journée. Pourquoi? Donc, vraiment continue comme ça, que personne ne te décourage dans ta télé. Pause publicitaire. Les cœurs choux, vous savez que c'est l'hiver. Et c'est l'hiver, hein, il fait froid. Donc en ce moment, ce que j'utilise, c'est Estrin Shine de chez Teint Parfait. Estrin Shine, l'huile Estrin Shine, vendue sur Internet et chez tous les partenaires de Teint Parfait Bangladesh Paris.
Donc, c'est la crème que j'utilise sur mon corps. Vous voyez, je n'ai pas mis de maquillage. Je me suis pas, voilà, je me suis pas maquillée. Mais j'ai un beau teint. Beaucoup de gens disent que non, ma photo a un beau teint. Mon secret, c'est ça. Estrin Shine de chez Teint Parfait. Et n'oubliez pas le savon à la vitamine C, ce petit savon très efficace. Ça, c'est ce que j'ai commencé à utiliser, qui ne finit pas très vite, hein. Donc, Extreme Shine, vous avez ce savon à appliquer matin et soir à la vitamine C. Vous appliquez ça le matin pendant que vous faites votre petit ménage, tout, 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 tout. Vous nettoyez votre visage et vous appliquez votre crème. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'avoir trop, trop de produits et ne rien utiliser à la fin. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Vous avez le gommage, ce gommage-là, du savon noir. Vous avez le savon noir qui est très, très efficace aussi. Voilà, pour le corps. Voilà, vous mettez ça sur le corps. Donc, vous pouvez aller sur Internet et chez tous nos partenaires. Vous pouvez payer aussi en plusieurs fois à la boutique en ligne. Vous avez la boutique physique, Strasbourg, boulevard de Strasbourg-Saint-Denis. Voilà quoi. Donc, commandez vos produits sans hésitation. N'hésitez pas quand vous commandez. Voilà, mes cheveux sèches Natishu que je partage tout le temps. Vous voyez bien, elle y va partout dans le monde. Natishu. Donc, comme je vous disais que Mayamse, Tata Lolo, vous savez, à travers les réseaux sociaux, on renvoie toujours l'image qui n'est pas nous. Lolo crie, mais elle ne ment pas. Ce n'est pas une personne qui est méchante. Elle n'est pas méchante du tout. C'est une personne de très bien. Voilà, chacune a ses qualités et ses défauts. C'est quelqu'un de bien. Et je suis sûre qu'elle va se concentrer sur sa télé parce que l'énergie là, de mettre sur les clashs, c'est le temps qu'elle va prendre pour travailler l'émission de dimanche. Parce que ne pensez pas venir s'asseoir comme ça, c'est le travail, hein. Ce n'est pas facile du tout. C'est le work. Donc, le temps qu'elle met là, on le calcule, le petit Mayama. Parce que ces Nyamayama là ne nous apportent rien. Oui, nous ne sommes plus dans les clashs. J'ai trop souffert pour laver mon image. Vous voyez que je sors de la grande porte. J'ai trop souffert pour laver mon image. Donc, je n'ai plus envie de rentrer dans la boue. Voilà. Donc, je ne traîne plus avec des personnes qui m'attirent la malchance. Je suis une personne qui travaille, qui évolue, une personne battante. Je n'ai pas besoin d'être avec des feignantes qui ne foutent rien de leur vie. Voilà, ma vie, ce n'est pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et parler des gens. Moi, que les gens parlent de moi, mais ça me laisse à 37 parce que ces personnes-là parlent, ça fait près de plus de 10 ans. Je suis toujours là. Est-ce que ça m'empêche d'avancer? Non, j'ai vu que mon énergie à me battre pour aller répondre là, non. J'ai dit non. Je n'ai plus à me justifier sur quoi que ce soit. C'est moi. Et c'est comme ça, pas autrement. Qui pouvait imaginer que je reste comme ça sans venir sur les réseaux, alors que je suis là? Parce que je suis déterminée. Parce que je suis concentrée. J'ai un événement que je prépare. Et rien ne peut me détourner de mon événement. Je n'ai pas le temps à répondre aux petites sapins qui traînent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps. J'ai pris le temps pour comprendre. Beaucoup de gens m'ont souvent dit, faut ne répondre pas, ne répondre pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise que ne réponds pas. Parce que je sais où je vais. Je sais ce que je vise. Je vais être députée ou bien maire. Donc, je ne veux plus rentrer dans les trucs de sang caleçon là. Si je veux parler les histoires de sang caleçon, je vais venir. Je vais parler les histoires de sang caleçon si je veux. Mais dis que commencez à manger. Même quand vous me voyez, le charisme ne s'achète pas. Je suis une femme charismatique, mon frère. Je me mélange ou quoi? Ave que dia. Ave que dia. Hein? On fait quoi? Moi, j'ai mes abeilles qui travaillent pour moi. Elles sont des travailleuses sans salaire. J'ai les soldats. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir là pour faire allusion à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. La reine mère fabrique et défabrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis partie avec tout. Oui. I don't go with everything. Mayamse aujourd'hui, demain et après-demain. La personne qui ne veut pas va se jeter sur la scène. Ou bien m'attrape en route. Parce que moi, je suis prête à tout moment. Oui, je suis une guerrière. Ah, mais que dire? Tu voudrais n'importe quoi.
Moi, il faut donner à manger. Moi, il faut faire évoluer combien de personnes ici sur les réseaux. Nous, on a aidé combien de personnes ici. Aujourd'hui, même pour prononcer le nom de quelqu'un, la personne me paye. Vous croyez que quoi? On vous fabrique, vous n'êtes même pas reconnaissant pour la fabrication. Donc, on va se lever comme ça. Même pour insulter quelqu'un, tu me payes pour qu'il t'insulte. Parce que prononcer le nom de quelqu'un, c'est fabriqué. Vous croyez que quoi? On a passé des années. Vous êtes entré. Vous êtes entré derrière ma yam soeur. Entré derrière nous. Que entretuez-vous maintenant? Les dieux du village ont agi. Le Ndindu, vous avez compris, non? Les dieux du village ont agi. Vous ne pouvez plus nous atteindre. Vous ne pouvez plus. Du vrai n'importe quoi. Vous ne pouvez plus nous... Oh, tata, lolo, jomba! Jomba, non, mais balancez les lolos. Jomba! Envoyez les cœurs pour Jomba qui est là. Oh, jong, jong! Vous farotez ma yamse, hein? Le 2 novembre, elle sort sa chanson. Les yamse, les yamse. Je sais, c'est moi, la danseuse. Les yamse. Meuf! Quoi? La prochaine chose que je vais organiser sur Paris, ça sera avec tata Lolo. Oui. Je pars avec ma yamse. Oui. Je ne vais pas parler ici parce que parle jaloux là. Je vais organiser le bateau avec elle. Oui. On va choper les deux à deux. On va organiser, je vais dire à ma yamse ton apport. On se met ensemble, on fait. C'est comme ça. Les yamseurs, tu veux qu'elle prenne tata? Non, je ne prends pas tata Lolo, c'est son anniversaire, c'est à nous. Pourquoi vous voulez qu'elle parle? Je ne peux pas prendre tata Lolo là où je suis. Non, je ne la prends pas, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, c'est à vous. C'est à nous de souhaiter joyeux anniversaire à tata Lolo. Donc, quelqu'un qui veut maintenant appeler, vous pouvez lancer l'appel là, pas sur le téléphone, hein, ici là. Je ne voulais même pas, parce que vous avez vu faire l'allusion aux détracteurs, je ne veux pas. Ma yamseur et moi, on n'a pas besoin de parler de ces gens-là. Ce sont les gens qui sont invisibles. Vous avez compris? Oui. La personne qui essaye encore. Attendez, je sors même d'abord ce qu'elle doit sortir. Attendez, prends d'abord. Ne regardez pas les sacs, ça part au Cameroun. Ce sont les sacs. Pardon, attendez. Merde. Comme quoi, Kalamongo. Vous allez chou. On va vous chou. Elle dit que. Même quand la Mongo souhaite joyeux anniversaire, quelqu'un s'attend à Mayam, c'est. Le pinement de ça. On va vous touma. Propre. On va vous touma. J'ai sorti. Elle a sorti encore quand la Mongo. Elle est pris dans les clashs. Mouf. Elle a fini l'autre bitaco là. Je prends l'autre. Que quoi? La touma de ça. Tout le monde, les hommes, vous niaissent. Vous allez jouer les petites gouttes, les femmes. Yeah, j'ai fini l'autre bitaco. Maman, le truc, c'est descend. Oh. J'ai fini une bouteille, pardon. Pardon, les cœurs. Le bitaco, là, si, pardon, attendez. Je voulais ouvrir, mais c'est que j'ai déjà fini une bouteille. Hé, hey, maman. L'affaire, là. Vous voyez le bitaco, là, si. Willy Mix m'a dit que, ma faux, tu m'as donné le bitaco, là. Ma femme a fui la chambre. J'ai amené ça en Belgique. J'ai fait, on dit que quoi? Goûter, pas goûter. On dit que quoi? En gros français, on dit que déguster. J'ai fait la dégustation, vous voyez. J'ai déjà amené Bitacola, c'est un vin Bitacola qui sera vendu le 2 novembre. Donc, préparez votre argent. Donc, j'arrive donc en Belgique, la dernière fois. Je sors ça, je mets dans le verre. Je dis à Willy Mix que goûte un peu. C'est comme ça qu'il goûte le bitaco. Là. Le matin, il m'appelle à... C'était à 6 heures. Ma femme ne mange jamais. Il dit que... Ma femme a fui la chambre. Il a demandé que, mais... Comment il peut boire le bitaco là? Tu fuis la chambre. C'est comme ça que sa femme a directement dit que, mais... On a vu ma femme présenter le bitaco là et les effets du bitaco là. Du coup, elle a fui la chambre. Oui. Donc, j'aimerais vous dire, les filles, ne fuyez pas la chambre. Ça, là, non. C'est le secret. C'est le secret. Moi, je ne voulais pas trahir. Il faut m'excuser. Je ne voulais pas trahir. Mais tous les hommes qui ont goûté ça, m'ont seulement dit que, ouais, je suis arrivée comme ça. Je t'ai dit, j'ai eu de ces échos. Donc, le bitaco, là, c'est avec ça, non, ma. Vous-même, vous allez dire, moi, je ne parle pas trop. Vous savez que quand c'est bon, on ne parle pas trop. Je n'ai pas trop envie de parler de ça. Je ne veux pas trop parler. Le 2 novembre,
vous allez, ça sera vendu. Oh, maman Sarah. Là, je suis en train de boire même là. Je ne sais même pas comment elle veut faire. Je te dis, moi-même, je veux comme ça boire un peu là. Je ne sais même pas comment je veux faire. Je ne sais pas comment je veux faire. Non, ma fille ne boit pas aujourd'hui. Parce que je bois, le père des abeilles, je veux boire, je veux faire comment? Je ne bois pas ça aujourd'hui. Non, je ne veux pas boire aujourd'hui. Parce que je bois là, je vais tourner toute la nuit et je vais commencer à chercher. Et comme je sais qu'il n'y a rien, je vais faire comment? Donc, ça là, c'est quand tu sais que hein, oh, tu vas aller à un rendez-vous. Hein, les filles, le bitanco là de ça. Quand tu sais que tu vas go à un rendez-vous, merci monsieur Téné, le PDG. Merci l'industriel parce que, enfin, tu sauves beaucoup d'hommes. Tu sauves beaucoup de femmes. Merci beaucoup pour le bitaco là. Merci. Tu as trouvé le secret. Donc, le 2 novembre, venez vous procurer le bitaco. Les gens m'ont dit, mais oui, il faut vendre-nous, vendre-nous. Ça là, ce n'est pas pour vendre, c'est pour vous présenter seulement. Je te dis. Donc, vraiment, je voulais boire, mais je vais faire comment après? Je vais garder, oui. Oui, chérie, j'ai gardé, non, j'ai gardé. Donc, les 15 jours. Donc, voilà, alors, ça. Voilà le ça des détracteurs. Un rêve de ça. Vous n'allez rien vu encore. Poc, 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 poc. Que la bouche. Vous allez parler quoi? Mayamso et moi, non. Quand on sort, on ja, on donne. Le charisme de ça, vous n'allez jamais atteindre ce qu'on est. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris avec quoi? Vous restez là, vous croyez que c'est le temps encore de, perdre le temps pour parler n'importe quoi. Le jour que Mayamso n'a pas l'invité, moi, mes parents m'assoient là-bas, je suis invité. On tape nos commentaires, on fait notre télé. Oui, on tape nos divers. Coucou Rêve, la petite soeur de Mayamso, la petite soeur d'une star est une star. Oui, Mayamso, fabrique ta soeur. Oui, parce que c'est le sang. Le reste là, c'est l'ombrakata. Tanita Koutes, je te vois, salut. Bon, appelez alors pour ce joyeux anniversaire, Tata Lolo. On se voit le 2 novembre. Le 2 novembre à Paris, non, c'est de haute forme. Attendez, je prends. Et vois d'abord qui c'est. C'est pour souhaiter joyeux anniversaire. Stéphane. Moi, je ne veux pas vous prendre. Parce que, hein, si je prends, je ne veux pas que les gens viennent dire du n'importe quoi. Moi, je ne veux pas qu'on vienne dire du n'importe quoi. Parce que le direct n'est pas fait pour être effacé. Le charisme de ça, il faut voir quand j'arrive. Hé, Tata Lolo, les gens nous adorent. Mince. On fait comment? Envoyez l'invitation. Ma Tata Lolo. Mayamse, il faut voir quand il passe quelque part avec Mayamse. Les gens nous regardent. Il faut voir comment les gens nous regardent. Oui? Bonjour, la Mafo. Bonjour. Joyeux anniversaire. C'est... Ma, ton téléphone est que dans quoi comme ça? Joyeux. Ton volume ne donne pas bien. Ah bon, c'est sur le Bluetooth de la voiture. Joyeux anniversaire, la Tata. On ne t'entend pas. Hein? Ah bon? On n'entend rien, ma. On n'entend même pas. Et là, c'est bon. Non, oui, parle, mais tu vas trop crier. Joyeux anniversaire, la Tata Lono, notre Yam Tante. Que Dieu te bénisse, profite de ta journée, profite avec ta fille. Plein de choses à toi et bisous à toi, la Mafo. Bye bye. Merci beaucoup. Ma Tata Lolo chérie, on va t'organiser quelque chose là. Ce dimanche, il y a une discothèque qui m'a contacté pour organiser. Non, est-ce que ça se dit ça? Non. Bon, on voulait organiser un anniversaire à Tata Lolo. Bon, je vais prendre. Oh! Oh! Les Lolomania, la puissance! Bof! Vous parlez de quoi? Des Lolomania? La NASA? Les Lolomania? Qui les peut? Les abeilles, les Lolomania, qui les peut? Attends. Oh, oh, coucou, la Mafo. La reine des Lolomania. La reine, mais envoyez les cœurs. Écoute, n'a pas le son. Anniversaire, oh. La musique va faire que ça va. Les anniversaires. La musique. Hein? La musique. Ça ne passe pas, hein? Alors, moi, j'ai monté pour dire joyeux anniversaire à Tata Lolo. La Jombab de Jombab. Jombab.
La seule qui a tiré John, droit. La seule qui a tiré droit qui cantonne sur les réseaux sociaux. Après, elle, il n'y a pas d'autre. Joyeux anniversaire à toi, longue vie, bien des choses, prix des bénédictions, beaucoup de choses quoi. Les projets, comment on dit, comment on peut dire encore, l'avancement. Bounia baya beba boam alolo akata lolo. Nouban nam sewa, abate wa miya ma boam. Joyeux anniversaire. Merci. Ma foi, on te remercie pour ce direct là. Merci. Ce n'est pas vive fini. La paix des deux Ce yams. N'est pas fini. On fête l'anniversaire de Mayam seul le 2 novembre. On fête le son anniversaire. Le 2 novembre, le rendez-vous le 2 novembre, on va danser encore là-bas. J'ai vu le type qui va le mitakola là. Je veux deux bouteilles de mitakola. Tu vas ne cherche pas le père de la maison. Hein. Je veux ça, je veux boire. Erika, hein? D'accord, je prends quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui veulent la Ok, je souhaite un anniversaire avec le soutien. Macho, tu veux le bien, amour, tu veux le bien, grazie, macho, au revoir. Oui, Namse, ouais, Nathan Dima. Hey, Nathan Dima, homme l'aima. Merci. Donc, les cœurs, ok. C'est pour souhaiter joyeux anniversaire à Mayam Seul. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vous savez, mais chaque chose a son temps dans la vie. Dieu est fort. Parce que même les dieux, c'est-à-dire que même Paris en avait marre de me voir me tirailler pour rien avec ma âme sœur. Me tirailler pour rien, les gens en avaient marre. Je n'ai jamais vu une paix où les gens sont autant heureux. Les Lolomagnans. Les yamtantes des abeilles. Les cadeaux que je reçois, je ne dis rien. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes une team puissante. Vous êtes fort. C'est le cœur qui parle. J'ai vu ça avec cet événement-ci que j'organise. J'ai vu avec l'événement-ci. J'ai vu comment vous êtes mobilisés. J'ai vu comment les gens sont fiers. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis à Paris. Mais ils ont dit qu'on sera là. Merci à Julie Loé. L'esthéticien Julie Loé. 5 tables. 1, 2, 3, 4. Il y avait là-haut pris 2. Elle a pris 4 tables, 1 salon. Une seule personne. Et il y a quelqu'un qui a acheté un salon en disant, je viens parce que tu as fait la paix avec ta soeur. Je suis sympathique. Vous regardez seulement. Je ne suis pas bamileke. Mais vous avez fait quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. La joie des gens. C'était la guerre de quoi? Vous discutez quoi? Rien. Les gens derrière. Oh, elle m'a fait ceci. On revient ici. Oui, elle m'avait fait ceci. On n'est plus dans ça, c'est fini. Allez faire vos guerres. La personne, allez faire vos guerres seule. On n'est plus dans ça. Et toutes les petites choses que vous pouvez raconter au quartier, là, ça nous laisse à 37. Je dis que pour la première fois, ma belle-sœur Joséphine Bayan, elle m'avait envoyé le message pour dire que je suis content. Elle ne m'avait. Je suis contente de te voir avec ta sœur. Reste en paix avec elle. Le message qu'elle m'avait envoyé. Elle a témoigné quand j'étais avec elle, non? Elle n'avait jamais envoyé un message comme ça. Elle m'a dit, Flore, tu as un cœur pur. Et tous ceux qui tournent autour de toi, qui ont les mauvaises pensées, Dieu va toujours les exposer. J'ai dit, c'est ça, maman. C'est ça. Parce que dans la vie que vous voyez là, ne faites pas du mal à votre semblable. Dieu ne va pas accepter. Oui. Rêve avait prédit. Vous tous, vous avez aimé. Il y a des personnes qui sont parties de venir. Moi, je veux. Il y a des personnes qui disaient qu'ils m'aimaient bien. Parce que j'ai fait la paix avec ma âme sœur. Ils ont dit qu'ils ne sont plus avec moi.
ils sont devenus détracteurs. Mais j'aimerais leur dire bon vent. Je ne clash jamais avec des gens qui m'ont soutenu. Du moins, je ne clash pas avec les faux profils. Même si je sais qui vous êtes, je ne viendrai jamais dire que c'est toi tel. Puisque sur mon WhatsApp, je vois que vous regardez même mes statuts. Comment pouvez-vous lever, vous dites à une personne que parce que j'ai fait la paix avec ma soeur, je ne suis plus avec toi. J'ai dit bon vent. Oui, j'ai dit bon vent, au revoir. Merci beaucoup. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Quand tu te disputes avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais la malchance te suit. Tu avances dans ta vie, non. Pourquoi? Parce que les mauvaises ondes négatives, pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas que la guerre n'est pas une bonne chose? Pourquoi vous ne comprenez pas que pour que nous on avance, on n'a pas besoin, on n'est pas besoin, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé, mais que chacun gère son couloir avec ses gens qu'il aime. C'est quoi votre problème? Si vous avez des problèmes personnels dans vos vies, vous allez venir, est-ce que c'est de notre faute? Vous allez venir inscrire un faux profil, vous prenez peut-être 5 minutes, vous écrivez, vous commencez à verser vos veneurs, les choses de vos vies privées, vous mettez ça sur d'autres personnes. Mais vous êtes un faux profil. Mais derrière chaque faux profil, c'est quelqu'un qui est caché derrière. Combien sont partis? Je leur ai dit, vous n'avez jamais été avec moi. Tu peux me dire que je t'aimais trop, ma faux, mais comme tu es parti, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimais trop pour la paix. Tu dis que tu n'es plus avec la personne. C'est parce que vous étiez des fausses personnes. Je n'ai pas besoin de vous dans ma vie. Je suis désolée. Si vous êtes venu vers moi parce que j'insultais, parce que je clashais, partez doucement. Je suis désolée. Je ne peux plus jamais rentrer avec qui que ce soit. Non, je ne rentrerai plus jamais dans ça. C'est quoi? Je peux venir faire un coup de gueule. Mais c'est quoi vos trucs là? Vous écrivez aux gens. Oh, tu as vu ce que tel t'a écrit. Tel a fait allusion à toi. Et alors? Vous êtes sur les réseaux comme je suis sur les réseaux. Même si quelqu'un me lance et puis quelqu'un fait allusion à moi, je n'ai pas besoin que vous regardez pour venir me dire. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez rien à faire dans vos vies. Vous n'avez rien à faire dans vos vies. Que de renseigner vos stars de ce que tel a dit, que tel a dit que. Vous croyez que quand on aime quelqu'un, on l'appelle pour lui dire que tel t'a insulté, tel a dit que sur toi, tel a dit que non, tu pars, tu es faux profit, tu travailles sans salaire. Tu n'as pas besoin de dire à ta patronne, à ta patronne, à que nous sommes, que oui, j'ai trop travaillé pour toi parce que tel t'a insulté. Je n'ai pas besoin de savoir. Un soldat travaille. Un soldat n'a pas besoin d'informer que tel a fait que non. Vous voulez quoi à la fin? C'était donnant, c'est donnant, donnant, non? Le plaisir que je vous donne. Je vous paye votre salaire avec quoi? En faisant les lives. Vous connaissez le nombre de personnes dépressives dans les maisons? Hein? Quand on tape nos divers comme ça, c'est pas qu'on se lève un matin pour commencer à dire qu'on fait les lives. Il faut respecter le travail qu'on fait. Et il faut respecter nos vies. C'est quoi? Hein? Vous pensez que vous allez nous caricaturer? Vous pouvez me caricaturer. Vous pouvez partager les caricatures n'importe comment. Ça me laisse à 37. Vous avez compris? Quand il va venir m'asseoir, il commence à fabriquer un faux profil. Ou bien les sales vieilles femmes là qui ont raté leur vie, elles sont là dans les directs en train de parler de l'enfant de Dieu comme moi, de parler de Fleur de Lille. Hein? Et vous croyez que je vais prendre mon temps pour venir vous répondre? Pourquoi? Mon temps là, c'est pour vendre mes billets. Mon temps, c'est pour penser ce que je fais. Mon temps, c'est pour gérer mon chantier. J'ai trop de choses à vous et moi. Où? Quand? Comment? On n'a pas le même chemin. On n'a pas la même vie. On n'a pas les mêmes amis. Les réseaux sociaux, ça mélange trop de gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que je suis humble, ma petite personne, je suis aussi humble et sympathique avec les gens. Vous croyez que quoi? Oh, j'avais côté parce que quand j'ai mis 50 euros dans une cagnotte qui fait 100 euros, quand vous croyez que vous allez venir pisser dans ma bouche, je vais accepter. Il faut partir avec vos milliards. C'est quoi? Partez avec. Je veux la paix dans ma vie. Ah, d'accord? Quand on est en paix, même si on n'a pas à manger, on se rassasie. Oui, quand tu es en paix, même si tu n'as pas à manger, tu te rassasies. Ce que vous dites que vous me donnez, vous bavardez dans les faux profils là. Allez faire évoluer d'autres avec. C'est vous qui avez conçu ma maison. C'est vous qui avez conçu ma maison. C'est vous qui payez mon loyer. Vous connaissez combien je paye pour garder ma mère. C'est vous qui payez pour mes engagements, pour mes factures. Hein? N'importe quelle poubelle va se lever. Les filles qui ne lavent même pas les draps, elles sont sales comme n'importe quoi. Hein? Elles sont assises dans la maison des grosses patates. Mais vous allez traiter une mannequin comme moi. Vous allez venir parce que c'est les réseaux cachés dans les faux profils. Sortez du noir, non? Beaucoup sont sortis du noir, on les a vus.
Sauter du noir. Vous me valez avec quoi? Pourquoi est-ce qu'elle est regardée? 45 ans, même pas une ride. Hein? Pas de ride, pas de filtre. Parce que je dors bien. Je mange bien. J'ai ma conscience tranquille. Pourquoi vous voulez tout que j'entre dans les clashs? Ça me sert à quoi? Hein? Hein? Les clashs, ça sert à quoi? Les clashs, ça salit l'image. Tu penses que pas? Non, on ne veut pas t'inviter parce que telle insulte telle. Non, on ne veut pas les filles de Facebook là. Ça cause des choses comme ça. Laissez-moi tranquille. Si on coupe Facebook, tout vivre. Oui. C'est quoi? Vous et moi, c'est la même chose, maman. Parce que Facebook est venu nous mélanger ici en Europe. Hein? Regardez-moi les femmes comme ça. Elles sont assises derrière les dans le noir pour parler. Même si on dit que la pimenterie, on se met en route. Je vais travailler, je vais prendre les clients jusqu'à finir, avant que vous preniez même un client. Il y a que même si on dit que la pimenterie, que allons vendre le piment, on se met au poteau. Les femmes frustrées, hein, qui n'ont jamais joie dans leur vie, c'est sur Facebook que vous allez venir parler aux gens. Il y a que même si on dit que pimenterie, je me place au goudron, au poteau. Comme ça, je commence à faire l'autostop. C'est moi qu'on va prendre d'abord. Je vais d'abord tapiner. Et je finis de prendre tous les clients. N'importe quoi. Quand moi, les vieilles vendeuses de piments pourris, de piments secs, je suis fraîche, je suis bonne, je suis serrée. Si c'est pour sucer, je suce bien. D'accord? Si on dit que le bon gars même, on prend même, on dit que, allez apprendre à soc. Oh, oh, vous n'allez pas. N'importe quoi, je suis seule par choix. J'ai choisi d'être seule parce que j'ai choisi. Écoutez-moi très bien. Si je vis seule, c'est parce que c'est un choix. Les abeilles ont peur. Et ceux qui vont encore me dire qu'ils vont te marier, les abeilles ont le père. C'est le jour du mariage que vous allez découvrir. Vous voyez que je brille comme ça, c'est quoi? Que je ne tourne pas. Je tourne propre. Qu'on veut pas, elles ont parlé la sauvagerie sur Facebook. Je suis mariée. Je suis mariée, maman. Si elle veut parler la sauvagerie, elle veut pas parler. Ouais, les vieilles choses qu'elles sont assises sur Facebook en train de dire qu'elles sont les femmes mariées. Eh, Binda, à quelle heure? Les femmes là, Nias, quand? J'ai une question. Eh, hein? Nias, à quelle heure? Hein? Un Touma, quand? Le temps de Touma, à quelle heure? Il faut faire Facebook, il faut faire. Vous croyez qu'un vrai gars peut accepter d'être avec une fille qui se pavane sur les réseaux. Oh, s'il ne gagne rien derrière. Il va accepter être derrière une fille qui est sur Facebook. Merci. Adjewa, vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureuse d'être sortie dans cette poubelle, dans ce trou. Oui, je suis heureuse. Et je sors dans ça. Je suis sortie. Et je suis sortie avec ma yam sœur. J'ai pris ma yamse, tac, on est sorti. C'est tout. On voit les buveuses d'odontol. Les buveuses d'odontol nous parler. Eh, Seigneur, la France mélange les choses. Hein? Les torchons et les serviettes sont mélangés dans cette France. Ouais. Qu'est-ce que ces gens-là iront dire? Vous irez dire que vous avez cherché quoi en Europe? Vous avez nous accompagner? Oui? Vous êtes venu en Europe nous accompagner? Hein? Les choses comme ça là. Vos places c'est où? Allez faire le chant. Rentrez en Afrique. Hein? Rentrez là-bas faire le chant. Hein? Ma yamse ne vous répond plus. C'est comme ça et pas autrement. Oui. Et chaque dimanche, nous, on s'assoit à la Tata Lolo TV. Je vais aussi raconter mon histoire blessée de guerre. Gigolo, il faut raconter. Oui. Chacun va venir raconter sa part. Tata Lolo, je serai l'invité aussi. Hein. Je vais aussi raconter ma part. C'est comment le boxeur ne m'a rien pris. Le boxeur a pris que mon cœur, il est tombé dans le Sisongo avec mon cœur. Mamie, maman, hein? Ngan, tu non?
Avec la traverse en haut. Oui, maman, je viens. Tu es où, maman? Qui derrière la porte? Voilà. C'est bon, ne ferme plus fort. Maman, travailler sans salaire, mon frère. 6 ans de travail comme ça, là. Mon frère, c'est facile. Moi, j'allais travailler pour votre. Donc, on disait quoi? On disait que quoi? On disait que quoi? Donc, on était en train de dire que ceux qui ont décidé de go, au revoir, bonne continuation, il n'y a pas de problème. Je meurs avec ma yam sœur. Oui. C'est comme ça. Elle et moi, non. Jusqu'à. Et ça ne chauffe pas. Je remercie toutes ces personnes-là qui sont heureux de cette paix, de me voir comme ça, regarder ma yam sœur et sourire.